Suite à des cascades de forfaits et de désistements, la fédération a contacté, le SMS le 1er août 2018 pour savoir si nous étions prêts à accepter l'invitation pour participer au championnat de France NME2. Deux jours pour décider de nouvelles aventures, et quelle aventure! Après avoir pris le pouls des joueurs et leur aval, les dirigeants ont opté la montée en NME2. Pour le reste, on se repoussera les manches plus tard à Tonnerre. Le 2 août, nous étions en National 3 et le 3 août en National 2. Le SMS participera donc pour la première fois de son histoire au championnat de France de NME2, un moment historique pour les bénévoles. Alors pour le sportif, 5 clubs du 47, donc de Garonne, un club du 32, un club du 24, un club du 85, deux clubs du 44, un club 79 et trois clubs du 40. Donc on peut penser que c'est une poule régionale au regard de la saison passée. Premier match à Val-d'Albret pour débuter, un peu d'appréhension, une défaite avec des regrets. Deuxième match et première réception à domicile. Et là, deuxième défaite qui laisse un goût d'inachevé et beaucoup d'interrogations. Troisième match à Marmande, enfin au complet, avec l'arrivée de Marco, et là, coup de tonnerre, victoire au BBM, un habitué de cette division. L'adaptation à la NME2 semble se concrétiser. En effet, la dimension physique et l'intensité défensive n'est pas celle de la saison passée. Quatrième match à domicile contre Pays de l'Aune et victoire indiscutable. La saison semble lancée, plus aucune crainte. Les hommes du capitaine Nicolas Gaillot avancent. L'équipe réalise une première partie de championnat parfaite avec des victoires gratifiantes contre Olonne et Garonne qui finiront deuxième et troisième au final. Mais avec une défaite à domicile contre DGB, de peu d'ailleurs, qui terminera premier de poule. À noter ce soir-là aussi que deux blessures importantes de Kevin et de Loïc, ils ne reviendront que pour la seconde phase. Donc ils ont marqué quand même plus d'un mois et demi, plus de mois. Alors, soit sur cette première partie, 5 victoires à domicile, 2 défaites à domicile, 2 victoires à l'extérieur, 4 défaites à l'extérieur, dont une à Niort après 2 prolongations avec 2 paniers du centre de David Ropessa. La phase de retour débute par 3 victoires consécutives, soit 7 victoires consécutives entre la fin de la phase aller et le début du retour. C'était que du bonheur. Donc, cela fait sur la seconde phase 5 victoires à domicile, une défaite à domicile, 2 victoires à l'extérieur et 5 défaites à l'extérieur. Alors, pour le classement final, 14 victoires et 12 défaites, 6e au classement final général et 2e à la club d'année. Les hommes de Mathieu Bouxel finissent 4e attaque de France, ce qui est quand même sur 56 clubs, et 24e au ranking national sur 56 équipes, derrière des villes comme Rennes, Laval, Avignon, Calais, Mulhouse, et j'en passe les meilleurs. Bon, je pense que c'est à coup sûr une grande performance. Moi, je voudrais signaler que l'alchimie déplacement bus, supporters, dirigeants a fonctionné en osmose. Nous, joueurs, nous remercions toutes les personnes qui ont offert des gâteaux et des friandises lors des voyages en commun. Je pense que ça a permis d'avoir une bonne ambiance lors des déplacements. Voilà. Je voudrais faire maintenant le bilan des coupes. Ça, c'est souvent ce que recherchent les joueurs en fin de saison. Hein. C'est leur gâteau, quoi. Alors, pour la Coupe au Sud-Ouest, ben, on a été éliminé en quart de finale sur le terrain du Stade Montois. On dénote aussi la blessure de Sébastien en prime pour 6 matchs de championnat soudain. Là, ce soir-là, c'était vraiment une mauvaise prestation de notre part. Manque d'envie, de fraîcheur, qui nous prive de finale four à Pomarès. Vraiment un coup de massue. Complètement très très dur à digérer. Bon, pour la Coupe des Landes, je voudrais quand même signaler qu'on est encore dans le dernier carré. On est toujours dans la continuité des saisons passées. L'objectif, les arènes des Axes. Mais quel sort nous réserve le tirage? Une fois de plus, ce sera le TGP. Défaite de 7 points à Pomarès contre le futur vainqueur de la Coupe.
Et le futur champion de France de NM2, juste pour dire qu'au début, soi-disant que la poule B, elle n'était pas très costaud. Enfin bon, le champion de France, il était dans l'autre poule. Donc on va dire adieu aux arènes de Grax. Et je pense que les joueurs, c'est pour eux, c'est une terrible déception, c'était trop dur. Voilà, je pense que là, on ne va pas en rajouter. Bon, la cerise ne sera pas sur le gâteau cette année, c'est un fait. Mais cela n'arrivera rien au magnifique parcours de l'équipe 1, de l'SMS en championnat de NM2. Il faut les signaler quand même, devant des salles combles, il y a eu du beau jeu, de l'enjeu, du combat, de l'intensité et du suspense. Moi, je pense qu'il n'y avait pas mieux. Voilà. J'ai essayé de résumer le mieux possible de la saison de l'équipe 1. Je pense qu'on avait donné plaisir à tout le monde. Et puis, voilà. Et puis ça s'arrête là. Bon, et nous allons passer maintenant au compte rendu moral de la saison. Bon, dans le compte rendu moral, bien, je vais commencer. Donc, c'est une saison, comme on l'a déjà dit, particulière et exceptionnelle que nous venons de vivre. Une saison dont nous pouvons tous être fiers, car pour la première fois dans l'histoire de Montfouet, Montgaillard et Sarraviet, le club est parvenu à atteindre la Ligue 2, c'est-à-dire la 4e division nationale. Et cette nationale 2, c'est vraiment la charnière, je dirais, entre le monde du basket amateur et du basket professionnel. La division au-dessus, elle est complètement professionnelle. On le voit avec Gamard qui vote, où ils ont 7 ou 8 contrats professionnels pour jouer à ce niveau-là. Donc, il faut savoir, Philippe a un peu parlé tout à l'heure, quand il a parlé des villes qu'on côtoyait cette année, Lyon, Agen, etc. Il faut savoir que nous sommes, quand même, il faut bien le retenir, avec moins de 1500 habitants, le plus petit club de France en National 2. Donc, ce qu'on peut considérer comme un véritable exploit et qu'il faut que chacun savoure à sa juste valeur. Ce qu'on a réussi à faire cette année, ben, sportivement, je pense que c'est exceptionnel. On est vraiment le petit poussé de la National 2. Bon, quand on se déplaçait cette année, quand on est dans les salles extérieures, quand vous arrivez à Olonne, à Pornic, ça n'a strictement rien à voir avec Montfouet, Montgaillard, Sarraviet, c'est des complexes sportifs immenses. Quand on discute un peu avec les dirigeants locaux, que les gens vous parlent des ressources financières locales, bon, ben, ça vous met sur le cul, il n'y a pas autre mot. À Pornic, par exemple, et à Olonne, pour avoir parlé avec le président de l'Olonne, Olonne, quand nous on a 2000 euros de la communauté de communes locales, Olonne a 110 000 euros. 110 000, j'ai dit bien 110 000 euros, c'est-à-dire 50 fois ce qu'on a. Donc bon, bien sûr, comme je disais avec raison, bien sûr, c'est pas partout pareil, hein, mais enfin, il faut quand même savoir que d'une manière générale, on a affaire à des villes importantes, à des communautés d'agglomération importantes, et donc il y a des moyens financiers beaucoup plus importants que d'autres. Donc bon, nous, on joue dans cette cour et c'est compliqué, on y a bien figuré cette année, on espère bien y figurer l'année prochaine, mais il faut bien tous savoir et pas banaliser l'événement, c'est vraiment un exploit que de pouvoir jouer à ce niveau-là. Alors, je parle de l'équipe 1, c'est la vitrine du club, bien sûr, c'est l'équipe qui nous permet de remplir les salles, les buvettes, les repas d'après-match, de fidéliser de nombreux partenaires, de plus en plus nombreux, que je remercie au passage. Mais à côté de ça aussi, on en a parlé jusqu'à maintenant, il y a les SMS d'autres équipes, l'équipe 2 donc constituée d'un mix de jeunes et de vieux, enfin vieux, excusez-moi, pas vieux, plus, de moins jeunes on va dire, qui évolue au niveau intermédiaire régional. C'est bien l'équipe 3 avec tous les jeunes d'ici, avec 20 ans de moyenne d'âge, qui évolue au plus haut niveau départemental. Une équipe 4, pareil, qui est un mélange de vieux briscards et puis de jeunes, qui a été finaliste sur le championnat. Une équipe féminine qui, après, elles ont monté l'an passé, on ne savait pas trop à quelle sauce elles allaient être mangées cette année, mais finalement, elles se sont bien comportées, puis elles ont réussi à tirer le épingle du jeu et à se stabiliser au milieu de tableau. C'est très bien. Alors tout ça c'est très bien, on parle du sportif, c'est très bien, il y a beaucoup de gens qui ne parlent que du sportif et qui imaginent qu'il n'y a que le sportif, mais bon, pour qu'il y ait du sportif à notre niveau, il faut aussi alimenter la machine, il faut mettre du charbon dans la machine. Et il y a le volet financier. Le volet financier qui est quand même pas simple, il faut le reconnaître. Bon, on a fini à moins 5 000, vous l'avez vu. Bon, moins 5 000 sur le budget
qu'on brasse, c'est pas énorme, c'est bien. Franchement, je ne pensais pas le 3 août, quand on a accepté de monter en National 2, puis qu'on a dû, quelques jours après, se rendre à l'évidence qu'il nous fallait un joueur de plus de grande taille, parce qu'on allait, on allait se faire dépecer. Je ne pensais pas qu'on finirait comme ça. Donc là aussi, ben, je dirais qu'on a réussi le pari extraordinaire, nous les bénévoles, d'aller chercher quelques dizaines de milliers d'euros de plus. Alors, quelques dizaines de milliers d'euros, 40 000 euros en gros, hein. Enfin, 40 000 euros à Mont-de-Marsan ou à Dax, c'est compliqué, c'est sûr, c'est pas facile d'aller chercher 40 000 euros. Aller chercher 40 000 euros à Montreuil, Montgaillard-Sarrazé, je peux vous dire que c'est pas simple. C'est pas simple, c'est compliqué. Ben là, heureusement que tout le monde a mouillé le maillot, c'est puis bon, on a mis en place un plan de bataille à partir du mois d'août. On s'est réunis plusieurs fois au mois d'août pour essayer de voir comment on allait équilibrer le compte, faire vivre tout ça. Tous les bénévoles, on s'y est mis, on a réussi à améliorer certaines choses, on a fait beaucoup plus de partenariats privés, chose qu'on nous délaissait, alors qu'on ne travaillait pas forcément très bien jusque-là, puisqu'on n'en avait pas plus forcément besoin. Bon, enfin, grâce aux compétences et aux efforts de tous, on a, je dirais, assuré l'essentiel. Contrairement, par exemple, à des clubs voisins ici, que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît, qui ont été obligés de rebrousser le chemin ou de renoncer à jouer en National 2 parce que financièrement, ils n'y arrivent pas. Quoi, parce que financièrement, ils ont pris des grosses plaques financières. Et donc, quand on prend une grosse plaque financière à moins 40 ou moins 50 000 euros sur une saison, ben, la saison d'après, il n'y a plus qu'une solution, c'est réduire violemment la voiture et de descendre à l'échelon du. Bon, nous, on a réussi, je dirais, à rehausser le budget. Grâce à tous, merci encore aux trois mairies. Alors je sais que l'année prochaine, de l'hiver, il y aura peut-être des changements à la tête de certaines mairies. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça, c'est vous que ça regarde, les gars, mais on a passé 6 ans avec vous, super, chapeau. On a demandé à passer 1000 euros de plus à chacun, je sais que c'est pas facile. 1000 euros, c'est rien, enfin, il faut les sortir. Il y en a pas un des trois qui m'a dit on va voir. Donc tout le monde a dit ok, banco, on y va. Donc merci à vous encore. Bon, merci bien sûr pour les locaux, etc. Mais enfin, merci pour l'effort exceptionnel entre guillemets que vous avez consenti à faire sans qu'on ait à batailler. Ça fait plaisir.